Breaking news. Breaking news. Breaking news. République démocratique du Congo. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi a reçu une délégation du Kenya conduite par le premier secrétaire du cabinet. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, a échangé au Palais de la Nation avec le premier secrétaire du cabinet, l'équivalent du premier ministre de la République du Kenya, son Excellence Musalia Mudavadi, porteur d'un message spécial du président kényan, son Excellence William Ruto. L'un des sujets abordés lors des discussions entre le président de la République démocratique du Congo et le premier secrétaire du cabinet de la République du Kenya, son Excellence Musalia Mudavadi, est la redynamisation de la coopération entre le Kenya et la République démocratique du Congo. Le premier secrétaire du cabinet, son Excellence Musalia Mudavadi, conduit une délégation d'une dizaine de personnes. Il est porteur d'un message spécial du président de la République du Kenya, son Excellence William Ruto. Le premier secrétaire du cabinet du Kenya a également exprimé son admiration sur l'intervention du président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, concernant l'affaire de la compagnie Kenya Airways. Concernant la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, le Kenya affirme son soutien à la RDC. Ma mission ici était de délivrer un message spécial au président Félix Tshisekedi de la part de son homologue, le président William Ruto. Nous sommes des partenaires, nous sommes des pays au sein de la communauté d'Afrique de l'Est. Nous voulons continuer à travailler ensemble de manière cordiale et encore beaucoup plus proche. L'intervention du président sur l'incident avec Kenya Airways, ce qui a été résolu de manière amicale. Nous étions venus pour le remercier. Et aussi, nous voulions réaffirmer que ce partenariat est beaucoup plus grand et que nous voulons aller continuer à travailler avec lui dans le futur. On va assurer au peuple congolais que le Kenya travaillera toujours avec lui pour arriver à une paix et une stabilité dans ce pays. L'émissaire du président kényan a exprimé sa gratitude pour la convivialité avec laquelle l'entretien avec le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, s'est déroulé. Nous sommes contents que le président Tshisekedi ait communiqué avec nous beaucoup de respect, a-t-il déclaré. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateforme digitale, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.